40 sur Vivolta. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ? Mais qu'est-ce que tu fais, ma poule ? Mais c'est cocotte ! Bah oui, c'est cocotte, mes chéris. Qu'est-ce qu'on mange ? Mais je t'ai dit, c'est tout cocotte. Et oui, Jackie, cette semaine, la cocotte est à l'honneur. Et au menu, Jackie et Sophie vont nous concocter des boulettes de veau à la ratatouille, cuites en cocotte, bien sûr. Et pour terminer sur une petite douceur sucrée, ils réaliseront un classique, une crème caramel. Des recettes inratables, tout en gourmandise, pour un menu 100% cocotte, c'est tout Sophie, et c'est maintenant. Alors, on commence par quoi ? Bah, on commence par toi. Alors, d'accord. On fait quoi ? Bon, on va faire la crème caramel. D'accord. En cocotte. Une crème caramel en cocotte, évidemment. Alors, c'est pour vous montrer une simplicité de dessert. Tout le monde adore la crème caramel. Surtout mais, toi. Voilà. Mais le problème majeur de la crème caramel, c'est le caramel. Ah. Et oui, parce que je sais qu'on a quand même certaines difficultés à le faire. Alors, regardez bien. C'est parti. Donc les œufs, on les casse entiers, c'est bon ? On les casse entiers. On y va ? Oui. Vas-y. 4 œufs. Tu veux la poubelle de table ? Oui. Tiens. Okay. Ensuite, 100 g de sucre en poudre. Je vais aller chercher. Je vais en profiter également pour prendre le lait. Et 4. 100 g de sucre, elle dit. Puis le lait, il est là. Alors, tu vas les mélanger, tu vas les casser un petit peu, tes œufs. Tu vois ? Tu vas juste les casser un petit peu pour que le sucre s'incorpore mieux. Vas-y. Donc là, il te faut 100 grammes. 100 grammes de sucre. Vas-y. Oui, allez, vas-y, mélange. On va dire ça comme ça. Il y avait 102 grammes, hein, on va pas faire... Et demi. Du lait demi-écrémé ou entier, comme vous voulez. Alors, combien t'en veux, ça ? Tu vas m'en mettre, on va mettre 1 demi-litre, 50 centilitres. Et va, tu mélanges ? Enfin, non, tu mélanges pas, attends. Ah, hop. Ça, on va savoir. Hop, vas-y. Doucement. C'est quand on part, quand on mélange un liquide dans un solide. Il faut partir du milieu, comme ça, et agrandir son cercle. Pas... C'est pas une omelette que tu me fais ? Oui, d'accord. Tu vois ? Maintenant, on va préparer le caramel. Et pour ce fameux caramel... Il va te falloir du sucre à nouveau, non ? Il nous faut une casserole, du sucre. Tiens, tu peux peser 50 g de sucre. Voilà. Et on va mettre dedans un filet d'eau. On va un filet d'eau. Un filet d'eau. C'est deux filets, alors. Non, c'est bon, là. C'est deux filets. Hein. Et on va le mettre sur le feu. D'accord. Voilà. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il ne faut plus y toucher. Jamais mettre quelque chose pour en mettre dedans, sinon le sucre il va se cristalliser. Donc, à la rigueur, pour bien faire fondre, vous tournez juste légèrement votre casserole, comme ça. Mais un caramel, ça ne se touche pas. Je vais arriver à le remettre. Voilà. Donc, on va laisser caraméliser tout doucement. Donc, tu peux récapituler ce qu'on a mis dedans ? On a mis 4 œufs. 4 œufs entiers. Entiers. Oui. On a mis du lait entier. Oui. Un demi-litre. Un demi-litre. Et on a mis du sucre. Oui. Et 100 grammes de sucre. Et tu ne crois pas qu'on a oublié quelque chose ? Dans... La vanille ? Eh oui ! Ah bah oui ! La vanille, tiens, on va mettre un petit peu de vanille dedans. Un petit peu de vanille en poudre ? Ouais, en poudre. Toujours, j'utilise toujours la poudre de vanille parce comme que ça. C'est vraiment bien. Ouais. Merci. Alors vous voyez, là, pour faire fondre, on peut remuer comme ça légèrement, mais jamais mettre une cuillère dedans. Voilà. Sinon, caramel foutu.
nous allons réaliser des... boulettes. De veau. De veau. En cocotte. À la ratatouille. Le veau, là il y en a 650 grammes à peu près, il y a 150 grammes de riz, il y a 200 grammes de dés de jambon, les épices que vous voulez, moi j'ai employé là, du cumin et du paprika, du persil, un œuf pour lier le tout, et on met le tout dans un grand saladier, avec une échalote hachée. Je crois qu'on n'a rien oublié, du sel et du poivre. Très bien. Je te donne le saladier. Je surveille le caramel quand même. Oh là, il va bientôt être prêt le caramel. Ah, tu vas me montrer comment tu fais. Ouais, il va bientôt. On va regarder être prêt. Ça. Hein. Tu vas me montrer, on prendra ça après. Ouais. Alors, j'enlève, je te mets les deux jambons. Oups. Voilà, ça c'est fait. Caramel. Caramel, caramel. Je commence à sentir le caramel. Oh là, oui. Alors, le caramel. Il faut qu'il soit d'une couleur vraiment ambrée, comme ça. Parce que sinon, s'il est trop cuit, il est amer, il est immangeable. Donc là, c'est la bonne couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tremper. Tiens, tu peux le tenir, Mouche. On va le tremper tout de suite, ses fesses, dans de l'eau froide, pour stopper la cuisson. Vas-y, fais trempette. Ben, dis donc. Voilà, on a trempé la cuisson. On a arrêté la cuisson. On a arrêté la cuisson. Maintenant, je prends ma cocotte. Vas-y, tu verses le caramel dedans. Tu veux que je le fasse? Je suis plus à ma main. Alors, on verse le caramel dans la cocotte. Tiens, tu peux prendre, Maryse, non? Oui. Pour racler. Il est déjà en train de prendre, hein. Bah oui, tu vois. Hop. Oh là, ça va faire des fils, regarde. Parce que plus t'attends, regarde, plus ça va faire des fils. Donc, une fois que le caramel est bien pris, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre 2 secondes au congélateur. Et là, tu me demandes pas pourquoi. Bah, j'attends que tu nous expliques. Je suis sûre que tu sais pas. Pourquoi tu le mets au congélateur? Je suis sûre que tu sais pas. Bah, ok. Vas-y, raconte. Tu vois, tu sais pas. Vous savez, vous. Forcément, vous savez. Mais toi, tu sais pas. Non, ils vont me dire. Alors, pourquoi on le met dans le congélateur? Eh bien, pour éviter, il va durcir un peu. Et comme ça, quand on va verser la crème sur le caramel, ça va pas se lier. Ah, il va bien rester au fond. Il va bien rester au fond. D'accord. Parce que si tu le verses sur le caramel, tout de suite, il va se mélanger à la crème caramel. Voilà. Ben, au fond, c'est pas si bête. Non, au fond, c'est pas si bête. Allez. Alors, revenons à nos moutons. Alors, donc, j'ai fait l'échalote. Donc, tu vas mettre quoi, là? Le riz. La viande. Un œuf. Je casse l'œuf dedans. Un œuf. Pouf. Le riz. Pouf. Les épices. Du sel. Sel, poivre, non? Ouais. Cumin, t'en mets beaucoup? Combien? Bon, bah, tu vas aussi au feu, tu regardes, on goûtera de toute façon. Alors, on a mis, je t'ai mis du cumin, on va mettre paprika, un petit peu de paprika. Du sel. Là, on va prendre. Tu préfères mettre tes mains? Tu veux que j'aille te chercher des gants? Non. Non, tu veux une fourchette? Oui. T'aimes pas tripoter, toi? Deux fourchettes, tu me donnes. Deux fourchettes. Deux fourchettes, tiens. En voilà une et en voilà deux. Voilà. Et comment tu vas faire les boulettes alors si tu les fais pas à la main? Ah bah oui, mais je les ferai demain. Je sais pas si vous allez tous suivre, mais bon, c'est pas grave. Vous allez prendre l'habitude, vous allez voir. Moi, ça fait 20 ans, alors... Bah. Allez, du persil. Allez. On peut mettre de la coriandre dedans aussi, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que tu veux goûter, mon cœur? Oui. C'est un peu fade. Oui, c'est fade, ça.
Du sel, du poivre. Du cumin. Oui, du cumin, du sel, du poivre. Donc, toujours goûter, parce que vous voyez, assez fade. Du sel. Du sel. Oui, chef. T'as rajouté un peu de paprika ? J'ai rajouté un peu de cumin. Non. Allez. On va rajouter un peu de coriandre. Je vais aller rechercher ma cocotte. Et puis on va mettre la crème caramel quand même. La cocotte que t'as ramenée tout à l'heure ? Dans le congélateur. Ah non, je croyais que tu veux me ramener la poule, moi. Je vais verser la crème caramel dedans. Mm-hmm. Là, on va faire une cuisson au bain-marie. Une cuisson au bain-marie, ben vous allez prendre... C'est pas la peine de prendre un plat plus grand que la cocotte, vous allez prendre directement votre lèche frite. Donc la plaque de votre four. Et de l'eau froide. Alors. Voilà, maintenant, je vais chercher ma cocotte. Cocotte, cocotte, cocotte. Et on va verser la crème dedans. D'accord. Oups. Tu vas apporter le... Tu mets au four... Tu vas apporter directement. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Puis le poids, bien. Superbe. Donc le four à 180. Le four à 180 degrés. Et c'est parti pour 40 minutes au bain-marie. Et t'as mis l'eau, là ? Ah ben non, j'ai pas mis l'eau encore, mais je préfère le mettre au four, parce que là... Oui. Ça va être plus lourd, sinon. Mais là, ça va. Ouais. Et de l'eau froide. Attends, rentre pas tout à fait. Alors là aussi, c'est pas la peine de mettre à ras-bord. Hein. C'est juste un peu d'eau pour cuire. Ça va cuire à l'étouffée, tout tranquillement. À la vapeur. Voilà. Et c'est parti, 40 minutes. Magnifique. 40 minutes, 180 degrés. Retournons à nos boulettes. Reprenons le boulot et les boulettes. Les boulettes. Donc, bah maintenant, il faut faire les boulettes. Retroussons les manches et on y va. Vas-y. T'as les mains propres ? Oui. Ça tombe bien. Bon, petite, des boulettes, quelle taille ? Des boulettes d'une bonne taille. Alors, tu vois, pour éviter... Une bonne taille, c'est précis. Hein. Pour éviter que la viande ne colle, on met un petit peu d'eau sur les mains. Et ça évite que la viande ne colle aux mains. Ça va, ça va. Dis donc, elle est belle, ta boulette. Hein. Oh, la boulette. Mmh. Oh, la boulette. Et alors, le mieux, c'est qu'on pèse quand même chaque boulette. Comme ça, on verra exactement si on a fait le bon poids. Tu vois, pour avoir quand même des boulettes un peu égales. Alors ça, c'est encore une préparation que vous pouvez faire à l'avance. Hein. Dis donc, elle est grosse, celle-là. C'est la mienne. Vous en pensez ? C'est la mienne. C'est la tienne ? J'ai un peu... T'es un vantard, toi, quand j'ai même. J'ai un peu exagéré. Allez, hein? Vas-y, dépêche-toi. Alors, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, et toujours à feu vif. L'huile d'olive. Une poêle bien chaude. Un peu de beurre, environ 10 grammes. Hein. Voilà. Ouf, en passant, tiens, là, la casserole, elle est remplie de caramel. On va remettre de l'eau dedans et on va la faire chauffer. Comme ça, le caramel, il va partir facilement. Excuse-moi, mon amour, mais je donne toutes mes petites astuces. Hein. Vas-y, cause. Bon. En plus, comme c'est pas toi qui nettoie. Non. Hein ? Non, non. Bah. Ça va, les boulettes ? Nickel, je fais la dernière, là. Tu fais la dernière ? Combien il y en a eu en tout, alors ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. 18 par 6, ça fait 3 boulettes. Oh, bah écoute... 3 fois 6, 18, ça fait 180 grammes de viande par personne, enfin, de préparation. C'est beaucoup, tu crois ? Bah non, c'est bien, c'est bien. Hein ? C'est bien. Ça va aller. Alors, bah tu vas me les amener ici. Attends, j'ai d'abord me laver les mains parce que... Bah, je vais les prendre alors. Oui, vas-y. Ah, les boules.
sa sœur. On entend chanter. Alors on pose. Ok, attends, les boulettes. Et on n'y touche pas. Tu récapitules ? Je récapitule. 600 grammes, 650 grammes de veau haché. Agneau, porc, ce que vous voulez. Bœuf. 200 grammes de jambon andé. Une échalote émincée. Du persil. Du cumin. Du paprika. Du sel. Du poivre. Et 150 grammes de riz qui vous reste. Cuit. C'est ça ? Bref. Voilà, okay. Maintenant on passe aux légumes. Allons-y. Allez. Morceaux. Alors, il faut peler juste les poivrons, les tomates et les oignons. Les autres, on n'a pas besoin. Il faut jamais... Enfin, moi, généralement, je ne retire pas la peau des courgettes ni des aubergines. Donc, on découpe. Voilà, en gros morceaux, on laisse. Ça, c'est plus sympa. On va mettre ça dedans. Zou les oignons. Et zoux. C'est joli ce jaune. Mmh. Mais tous c'est les légumes, cette c'est couleur. Bon. Regarde. Ça donne de jolies couleurs. Oignons. Ah, je pleure. Terrible. C'est pas là. Ça va ? On les retourne pas tout de suite, mais... Ben, regarde avec une pince au silicone, là. Je pince. Regarde si c'est... Oh là là, je pleure, c'est terrible. Si j'ai pas mes lunettes, moi, à chaque fois, je peux être sûre. Ah oui. Comment c'est ? Ben, c'est pas mal, là. Ben, laisse un peu, hein, si tu vois que non, non, c'est pas assez doré. De l'ail. Les courgettes, la même chose. C'est délicat. C'est délicat, ben, c'est délicat. Que c'est fragile. Hein. Oui, les boulettes, c'est... C'est pour ça qu'il ne faut pas y toucher quand on les met. Voilà. Donc, huile d'olive. On attend que ça chauffe. Maintenant, on va mettre tous les légumes dans D'accord. la cocotte. Tu mets tout en même temps. Voilà, tout en même temps. Hop. Voilà, on va mettre du sel. Du poivre, des herbes, du sel, du poivre, du thym, hop, du romarin. Poivre. On mélange. On baisse le feu un peu quand même. T'as vu un peu la couleur ? C'est beau, ça. On entend les grillons. On entend les gris-gris. Oh là là, là 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 là, c'est bon. Voilà, on va mettre le couvercle. Et on va laisser mijoter comme ça 10 minutes. Et pendant ce temps-là, vous en profitez pour nettoyer votre cuisine. Et voilà, c'est cuit. Oh, mon amour. Oh, dis donc. Et alors ? Alors, pour récapituler notre histoire, 10 minutes la cuisson de la ratatouille, et ensuite j'ai remis les boulettes dedans 10 minutes. Ce qui m'a donné un super jus
au fond, et les boulettes bien cuites. Voilà, monsieur, vous me demandiez pour la sauce, vous savez. Eh ben, c'est bien. Et donc, la crème caramel, 40 minutes, au four, au bain-marie. On l'a retirée, on l'a laissée refroidir. Et tout va bien. Merci. C'est juste... C'est... Mmh. Regarde, là. Voilà. Viens, mets-toi. Tu tiens l'assiette de douche? Toujours une petite pointe de fleur de sel à la fin. On va mettre un petit peu d'herbe. Et puis un petit peu d'herbe, et c'est bon. Bon, ben on mange. Hein? Bon appétit, il y en a qui disent ça. Qui disent ça. Nous allons parler rénovation de maison pour consommer moins d'énergie. Et ce n'est pas de la science-fiction. Attention, comment aménager judicieusement une chambre d'étudiant, c'est la rubrique Agir de notre magazine. Avant cela, nous retrouvons la séquence rêvée. Transformation. Nous allons maintenant retrouver nos deux architectes, Karine et Gaël, pour un style plein d'humour et de peps. Vous n'avez pas peur qu'on casse tout, donc? Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Maison France 5. Il y en a pour tous les goûts. Regarde. La Maison France 5, du lundi au vendredi à 11h sur Vivolta. Belle de Fontenay, Amandine, Charlotte, BF15. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Bah, tu vois pas qu'on a quand même l'essentiel de la recette. Quelques pommes de terre. Des patates. J'espère que tu nous as fait un menu très épuré. Oh là, il faut mieux écraser. On n'imagine même pas tout ce que l'on peut faire avec des pommes de terre. Et cette fois, Sophie va se surpasser. Elle commencera par nous réaliser des triangles de pommes de terre et condiments au thon. Suivi d'un saumon rôti en écailles de pommes de terre. Et ils nous surprendront avec un gâteau aux pommes de terre et au chocolat. Eh oui! Allez, c'est parti! Bon alors, qu'est-ce que tu nous as envisagé, mon amour? J'espère que tu as la forme aujourd'hui. J'ai la patate, c'est ça que tu veux que je te dise? Non, la frite. La frite. Allez. Bon, dis-moi, Ambre, elle adore le saumon, tu sais, et puis elle adore aussi les pommes de terre. Oui. Elle, sans patate, ma fille, quelque chose. Elle aime les patates. Voilà. Donc là, j'ai eu l'idée d'une présentation assez originale et très sympathique. Mm-hmm. Tu vois, on va prendre deux morceaux de saumon. Là, ça fait à peu près 600 grammes. Chacun. Voilà, chacun. Et on va le farcir déjà d'échalotes, d'herbes, sel et poivre. Ça, c'est la première chose. D'accord. Ensuite, on va éplucher l'équivalent de 500 grammes de patates, ce qui représente... Alors, ce sont des patates, des pommes de terre style Charlotte, tu vois, qui se tiennent à la cuisson. Charlotte, Amandine... Voilà, Belle de Fontenay, ce que vous voulez. Donc là, on va les éplucher. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, je vais préparer la farce. Donc là, tu vas les éplucher, mais surtout, on ne les passe pas à l'eau, quoi, parce qu'il faut que ça colle. Tu vois, donc tu il faut que l'amidon reste dans la patate. D'accord. D'accord. Donc ça, tu vois, c'est, on rentre le soir, c'est quelque chose de facile à faire. Ah, tu fais ça le soir, toi? Non, enfin, c'est un repas, ça prend pas beaucoup de temps, ça, à préparer. Facile. Enfin, 20 minutes, c'est prêt. Ah oui? Bah oui. Bon. Puis le saumon, c'est quand même bon, le saumon, mais il faut pas trop le faire cuire. Donc là, j'ai préchauffé le four à 210 degrés. Mm-hmm. Donc là, on va émincer donc, les échalotes. Et tu as fait un menu tout pommes de terre, alors? Bah oui, j'ai fait un menu tout pommes de terre. Même le dessert? Ah, même le dessert! Parce que le dessert, figure-toi, on en parlera, mais c'est à base de pommes de terre. Donc on ne les lave pas, elle a dit. Donc la patronne. On ne les lave pas, pourquoi on ne les lave pas, maman? Elle a dit la patronne, parce que faut amidonner. Ah non, faut garder l'amidon. Et on n'est pas en train de repasser tes chemises, là. Si vous êtes généreux, amidonner. Alors? Alors, ça, l'échalote, c'est fait. Ça te va, là, comme calibre? Essaye. Hein. Un petit... Ouais. C'est pas mal, petit chouïa, ouais. Petit chouïa, vas-y. Si tu mets tes doigts comme ça, mon cœur, dans 2 minutes, on ne fait plus l'émission. Voilà. Et il faut que ça soit rond, pas en biais. Hein. T'as vu des écailles en biais, toi? Les écailles à baies, oui. Alors, attends. Ça, c'est bon. Je trie. Et moi, je continue. Je vais mettre de l'huile d'olive. Hop, un petit peu.
Donc tu mets de l'huile d'olive dans les échalotes. J'essaie du poivre. Tu veux qu'on mette un peu de paprika? Moi, j'aime bien. Mettre un peu de paprika. Non, pas sur les pommes de terre, peut-être après. Hop. Du paprika, de l'huile, des échalotes, du sel. Hop. Du sel. Voilà, je vais saler et poivrer le saumon. Voilà, sauf que j'aime bien après, tu sais, mettre un peu de fleur de sel dessus quand une fois que c'est cuit. Mmh. Hop. Voilà, des herbes. Oh, elles sont belles, celles-là. Elles sont belles. Oh, elles sont belles. Là, ça fait à peu près 7, oui, ça fait à peu près 500 grammes. Tu mets quoi, du cerfeuil? Moi, je mets du cerfeuil, du persil, de la coriandre, tout ce que tu veux. Tu vois? Ah, la queue. Hop. Voilà. Meilleur. Plus il y a d'herbes, meilleur c'est aussi, hein. Tu sais. Voilà. Donc, ça c'est bon. Je vais te donner un saladier. Tu vas les mettre dedans. T'en as assez là, tu penses? Oui. Bah écoute, on verra bien. Si on n'en a pas assez, et ben on va peler d'autres pommes de terre. Ça, c'est pas bien grave. Donc hop, ça tu les mets dedans. On évite de mettre les pots d'échalotes dedans. Ensuite, on va prendre un peu de beurre clarifié. Hop. Ça, c'est important, le beurre clarifié, parce que ça ne brûle pas à la cuisson. Donc, c'est du beurre. Tu sais comment on le fait, le beurre clarifié? Non, mais tu vas nous expliquer. Beurre clarifié, vous prenez du beurre, c'est tout simple, vous mettez dans une casserole, puis vous le laissez cuire comme ça pendant 20 minutes. En fin de compte, c'est plus un ghee, ce qu'on appelle un ghee qu'un beurre clarifié. Ça cuit plus longtemps que le beurre clarifié. Donc, on met le beurre dans une casserole et on le laisse mijoter comme ça pendant 20 à 25 minutes. Mm-hmm. Et ensuite, on le filtre dans un compresse ou un gaz. Tu vois, qu'on a une gaz qu'on a mis sur une passoire, mm-hmm, et on le verse dedans. La particularité de ce beurre, c'est qu'il n'y a plus du tout de toxines, donc il n'y a que du bon beurre, vous pouvez y aller. Et ensuite, on peut le conserver un an en dehors du frigo. Un an? Un an en dehors du frigo. Mais tu vas peut-être... Ouais. Donc ça, c'est super. Est-ce que tu as salé? Non. Non, on sale, on poivre. On poivre. Tu mets un peu de paprika, hop. Oui. Voilà. Ensuite, on prend les herbes, on va les mélanger aux échalotes. Voilà, on va prendre le tout, on va les mettre dessus. Voilà, comme ça. Mmh. Donc une fois que c'est fait, ça, eh ben, tu vas mettre les pommes de terre, tu vas les dessiner en écailles. Je vais t'expliquer. Les dessiner en écailles. Enfin, tu vas faire des écailles de pommes de terre. Voilà, donc là tu prends les pommes de terre et on va donc les mettre dessus en les chevauchant légèrement, comme ça. Allez, vas-y, tiens. Ah, c'est moi qui fais. Là, on le fait ensemble. Bon, on va mettre ça au four. Combien de temps tu mets? Pendant 20 minutes. Mmh. À 210. Oui. Magnifique. Oh là là, c'est dur ça. Donc 20-25 minutes, hein. Mmh. La cuisson. On a dit que c'était 600 grammes par filet? Je pense pas qu'on l'ait dit. Bah, c'est 600 grammes par filet de saumon. Voilà, pour 6 personnes à peu près. C'est joli. Magnifique. Alors, mon amour, qu'est-ce que donc on fait? Mais un ton en dessous. Hein. D'accord. Tranquillement, tranquillement. Nous allons faire des triangles de pommes de terre à l'oignon. D'accord? Avec un condiment au thon. Donc pour ça, on a besoin d'une boîte de thon. Oui. Que Monsieur Jackie va égoutter. Bon. Alors, à l'huile. Oui. À l'huile. Donc on va égoutter. Égouttez-moi bien. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, j'ai fait cuire des pommes de terre que je vais également égoutter. Eh bien, pour une fois qu'on s'égoutte mutuellement. C'est drôle. Donc c'est ça que tu veux. Voilà. Regarde. Voilà. Hop. J'ai réussi. Hein. Tu as réussi, ça, c'est tu bien. Le jettes, hein, tu ça, je le jette. Et on remet le thon par-dessus. Bravo! Ah. Ouais! Et on y va. D'accord. Alors, ça, je vais le mettre dans un saladier. Hop! Pardon. Tu me dis, hein, si je te dérange. Un peu, oui. Voilà. Ça, c'est les pâtes de terre. Ça, c'est bon, on peut empiler. Donc, d'un côté, on a notre farce aux pommes de terre que nous allons écraser avec un presse-purée. Pendant ce temps-là, eh ben, on va
émincer un oignon rouge, s'il vous plaît. Il faut que tu sales. On va mettre donc l'oignon. Hop. Ça y est, je vais replorer encore. C'est pas possible. Je pense que c'est pas Jackie qui me fait pleurer, mais. Tu veux une Maryse ou. Oui, si tu veux. Tiens, je te mets l'oignon. Et après, tu mets le thon, c'est ça? Ah non, mais pas le thon dedans. Ah, on a le thon de le mettre. Non, non. Voilà, tu as le thon de le mettre. Tu vas prendre les feuilles de brique. Et voilà. Attends, je vais hacher des herbes aussi pendant qu'on y est. On va en avoir besoin. Mais c'est avec ça que tu vas faire les triangles? Oui, c'est avec ça qu'on va faire les triangles. Là, déjà, tu peux enlever une, feuille et la badigeonner d'eau, si tu veux. D'eau? Oui. Oui. Pour la ramollir un petit peu. Un petit peu, quoi, juste badigeonner. Voilà, juste badigeonner d'eau. Je sais pas faire ça. C'est... Donc là, je mets un peu d'huile d'olive. Tu l'as pas mis? Non. Dans les patates. Voilà, et t'as pas mis de paprika non plus. Non, ça c'est ta spécialité. Alors, là, on va le couper en deux, avec une paire de ciseaux. Elle est où, ta feuille? Ben, elle est là. Ah non, j'ai pas enlevé. T'as badigeonné le papier? Mais quand je vous le dis. Vous avez vos papiers? Mais non, mais elle est là, la feuille de brique. Il faut juste que tu la décolles, mon cœur. Bah, c'est moi qui décolle pas mal. Ouh, écoute. Oh là là. Ah bah, heureusement que t'es là. Hein. Ah bah, ça, oh là je, là, on a bien fait de te faire venir. Alors maintenant, elle est molle en plus parce qu'elle est mouillée. Bon, allez, hop. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas la garder, celle-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je le laisse une seconde et c'est fini. Ouais, ouais. Bon. Voilà, ça nous coûte une brique encore. Allez, décolle. Tu peux me badigeonner un peu d'eau. La feuille. Bon alors, tu me dis, hein. Je t'avais dit que je savais pas faire. Attends, on va couper en deux. Ah oui, tu peux rigoler. C'est sûr. Donc herbe, coriandre, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, menthe, coriandre, persil, enfin tout. Voilà. Un petit peu, hein, c'est juste un petit peu. Bah là, c'est juste un petit peu, oui. Voilà. Donc une fois que c'est comme ça, eh ben, on va monter les triangles. Monter les triangles. Et pour ça, je vais te mettre à côté de moi, viens. Oui. Ah là là, tu m'as bien fait rire. Donc tu plies le demi-cercle sur lui-même, comme ça. Jusque-là, ça va. Ensuite, donc là, je vais te mettre un petit peu de farce aux pommes de terre au bord. Et tu vas fabriquer, réaliser des triangles. Alors, les oignons, toi, je les ai mis comme ça. Mais vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez aussi les faire revenir dans un petit peu de beurre avec, avec des épices. Tu suis? Ah bah là... Alors, on y va. Où ça? On fait les triangles. Bah, oui, donc, tu prends la pointe, toi. Toi, c'est la pointe. Moi, c'est ici. Et toi, elle est là, la pointe. Elle est là, la pointe, oui. D'accord. Donc, prends la pointe et tu fais un triangle, là, déjà. Comme ça, là. Il est joli, hein. Alors, si tu veux ça, là, le triangle, il faut qu'il soit... Triangulaire. Vois, triangulaire. Ouais, c'est souvent les triangles. Donc, le long, tu vois, de la pâte, là. Ah, oui. Alors, ensuite, on tourne, on continue, comme ça. Et tu vois, on continue à faire des triangles. Ouf. De l'autre côté. Non, non, pas de ce côté-là. Ouais. De l'autre côté. Voilà. Tu restes. Voilà. Oh là là là. On continue. La belle chose que de savoir quelque chose. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Tu continues jusqu'au bout. Comme ça. Voilà. Ensuite, tu vois, il y a un petit peu de surplus. Donc là, on va le coller, on va le rentrer à l'intérieur. Et ça, on va mettre ça sur une plaque. Et on va les mettre là. Et on continue. Donc là,
On va mettre à frire donc les triangles. On a préparé de l'huile de pépins de raisin qu'on est en train de faire frire. Alors pourquoi l'huile de pépins de raisin par rapport à l'huile d'arachide par exemple? Moi j'utilise très peu d'huile d'arachide parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Et l'huile d'olive, on peut aller friture, mais c'est très difficile pour la friture. L'huile de pépins de raisin, c'est vraiment une huile pour la friture, c'est vraiment bien. Donc là on la chauffe à 180 degrés. Attention, si elle n'est pas assez chaude, vous n'allez pas saisir vos aliments. Et si elle est trop chaude, ça va cramer. Donc, et je peux en mettre deux à la fois, tu crois? Voilà, tu peux en mettre deux à la fois, essaye. Voilà. Oui, non, ça. Magnifique. Et ouais. Là, tu as préparé une assiette avec. Avec du sop à lin. Oui, avec un papier cuit-tout pour. D'accord. Tu baisses un petit peu le feu, là? J'ai baissé, là, oui. Alors, nous, il nous reste le condiment de thon à faire, qui va aller avec les triangles. C'est tout simple. On prend notre boîte de thon égouttée, on prend des câpres. On prend un citron et donc là on va mélanger un jus de citron, donc le jus d'un citron, des câpres, au vinaigre, à peu près 10 grammes. Là il y a 100 grammes de thon, donc à peu près 10 grammes de câpres. Voilà, on mélange le tout, on écrase bien. On va saler et poivrer, n'oubliez pas, très important. On va rajouter un peu d'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe. Alors, t'as mis quoi dans ta farce là? J'ai mis du thon avec des câpres, du jus de citron, de l'huile d'olive et des herbes. Et on va manger ça avec ça? Non. Et on va manger ça avec ça, c'est-à-dire qu'on prend une petite cuillère et puis on peut tremper dedans ou mettre avec ça, tu sais, dedans. D'accord. Alors, on peut les mettre au four aussi, si vraiment. Vous beurrez un petit peu avec du beurre fondu, puis vous les mettez au four si vous voulez pas le faire de friture. Mais je trouve ça dommage parce que c'est tellement bon comme ça. Allez, je débarrasse et puis on va entamer le gâteau, le fameux gâteau au chocolat et aux pommes de terre. On a pris donc des pommes de terre. On a pris quoi d'ailleurs? Là, on a pris des pommes de terre. Binch? Des binch. Hein? On a pris des binch parce que c'est des pommes de terre à chair. Farineuse. Voilà. Et on a besoin de chair farineuse. Comme pour la purée. Donc là, il y a 200 grammes. Donc je les ai pelés, je les ai fait cuire. Et maintenant, je les égoutte. Pendant ce temps-là, hop. Parce qu'avec ça, tu vas nous faire un gâteau, toi, avec des pommes de terre. Bah oui, on va un gâteau au chocolat et aux pommes de terre. Et alors? C'est la commande de notre amie Caroline, ça? Pourquoi? Ben, t'as demandé un gâteau sans gluten, c'est ça, non? Parce qu'on a une amie, effectivement. Une amie qui vient ce soir, et donc elle mange sans gluten. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée des pommes de terre. Parce qu'on utilise les pommes de terre en tant qu'amidon et qui remplace la farine. Donc tous nos amis, et il y en a beaucoup, il y a 15% de personnes en France qui sont allergiques. Et Caroline, c'est une amie, donc. Ah oui, mon amour. Et donc, elle mange sans gluten. Donc ça, c'est bien pour tous les gens qui mangent sans gluten. Et en plus, la pomme de terre apporte un moelleux incomparable au gâteau. Tu vas voir, tu vas goûter, c'est super bon. Nous allons goûter. Voilà. Donc, la première chose, donc 200 grammes de pommes de terre à chair farineuse que nous avons fait cuire et goûter. Là, tu prends le presse-purée. Encore ? Et tu écrases. C'est peut-être moi, c'est ça ? Je n'ai absolument à faire aucun commentaire. D'accord. Non, mais je te connais. Hein. Quand on est hors champ, t'en profites. Alors, là, pendant ce temps-là, je vais prendre donc du beurre. Et j'en mets 100 grammes. 100 grammes de beurre. Mmh. Ensuite. Hop, avec du sucre glace. 120 grammes de sucre glace. Du sucre glace, du beurre, des pommes de terre. Voilà. En fin de compte, là, c'est un mélange. Il suffit d'avoir les bonnes proportions et vous mélangez. Mais il ne faut pas se mélanger dans les proportions. Alors, 120 grammes de sucre glace. Voilà. On va mettre le tout au robot. Tu m'avais parlé de poudre d'amande, t'en fais quoi de la poudre d'amande? Faut 100 grammes de poudre d'amande. 100 grammes de poudre d'amande. Voilà. Donc, hop, un œuf. Deux. Trois.
100 grammes, madame. Et 4. 100 grammes. Poudre d'amande. Ensuite, on va mettre les 100 grammes de poudre d'amande. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça peut être les pommes de terre avant, mais bon. Chocolat. Combien il en faut du chocolat ? 150. 150 grammes. Il faut les casser avant. Prends le rouleau à pâtisserie, casse le chocolat comme ça directement. T'as pesé ? Ça, c'est quoi ? C'est un mètre, c'est un mètre. Ça va. T'as pesé ou pas ? Oui, 150 grammes. Donc micro-ondes. Micro-ondes, 1 minute 30. 1 minute 30. Ouais. Pas trop parce que. Qu'est-ce qui fait le chocolat si on le met trop ? Ça brûle. Chocolat brûlis. Allez, 1 minute 30 au micro-ondes. C'est parti. Pendant ce temps-là, on va couper la mangue aussi. Hop. Donc là, on récapitule. Donc il y a le beurre avec le sucre glace, après les œufs un par un, ensuite la poudre d'amande, la purée de pommes de terre, et enfin, on attend le chocolat fondu. Et c'est fini. Ah oui. Tu vois ? Donc c'est quand même... un gâteau qui fait très très vite, qui peut se conserver assez longtemps. Et tu le fais cuire dans quoi ? Ça se conserve une semaine. Tu le fais cuire dans quoi ? Ah ben j'ai mon moule. Ah voilà. Donc là c'est un petit moule décoré. Donc ça, vous prenez un moule à manquer, vous prenez le moule que vous voulez, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Là je vais prendre un peu de graisse pour le graisser, ou beurré fariné. Moi j'ai une bombe, voilà, ce qui est bien pratique. Et on va réaliser aussi un coulis de mangue qui va aller avec. Ah oui. Ça, c'est une mangue, jus de citron et un petit peu de sirop de sucre de canne liquide, comme ça qu'on mixe le tout et puis c'est vite fait, bien fait. C'est pas joli ça, regarde mon amour. Oh là 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 là, puis alors c'est pas que joli, à mon avis c'est bon. Un petit beurre blanc aux herbes, tu vois. Là, tout le tour. J'ose même pas le mettre au-dessus parce que. Va pas gâcher. Va pas gâcher. Bon, et ton gâteau avec les patates, il a l'air joli, hein. Ben bon. Mais, les pommes de terre sont croustillantes à souhait. C'est une merveille. Le gâteau de pommes de terre. Pour Caroline, sans gluten, magnifique. Est-ce que tu as vu la texture ? Oui, le fondant. Je pense que je vais le manger sans Caroline. Sans le gluten et sans Caroline. Les briques de thon, alors je te conseille, tu vois, d'attaquer direct. Vas-y, n'aie pas peur. Hein. Et alors, si vous voulez retrouver toutes nos recettes... Ça, c'est une bonne idée, parce qu'à mon avis, vous allez avoir envie de les faire. Et c'est où ? C'est sur Rivolta. Rivolta.com. À bientôt, bon appétit.